Moi, j'ai l'habitude de faire un truc qui est pas très conventionnel quand le bloc piston il marche, ça marche pas. Tu viens caler ici ta BTR par exemple, et en fait tu la mets en butée contre les ailettes. Bon, faire attention parce que des fois tu as une ailette qui pète. Donc là tu vois, j'ai essayé moi un peu avant, là ça marche, le truc se desserre pas mal, donc je peux, voilà, hop, je peux le desserrer sans bloc piston. Alors, je sais pas comment on fait sur Leonardo pour bloquer le piston. Bloc piston, ça marche pas. Donc là, bref, tu sautes donc ton, hop, ta joue. Vérifie que ce soit à peu près à la même dimension, hein, qui est pas 15 cm d'écart. Voilà, moi c'est écrit, hein, sur l'emballage Leonardo, voilà, 125-150. Tu vois tout de suite que bah, celle-là elle est moins flex, quoi. Voilà, on vérifie un peu le vario. Peser mes galets pour savoir d'origine ils sont de combien, comme ça si un jour je dois les changer, je connaîtrai leur grammage.
Donc le but, c'est qu'il n'y ait pas de plat sur tes galets. Hein? S'ils sont plats, c'est mort. Hop. J'ai des 8 grammes. 8 grammes. Un peu fatigué peut-être. Prévoir de les changer. Ouais, tu vois. 6. Et 7. Donc c'est pas parfait, hein. Bon, on va les remettre. 7, 8, ouais, ça va. Bon, on va d'abord tracer l'entrée sur le vario, voir si la plage d'utilisation elle est utilisée entièrement. Et puis à ce moment-là, on verra. Peut-être pour en mettre des 8 ou 9. On verra. Ça a l'air d'être du 8 d'origine. Voilà, pas oublier ici les petits clips. Hop, on remet ça. Tac. Le canon, il coulisse bien. Ça a 10 ans, ça n'a pas bougé. Le petit joint, paquet de poussière. Voilà, il y en a qui les graissent. Moi, je mets pas de graisse dans la variation. On resserre ça. Coup de Makitu. Et on remet en place. On va remettre en place. Et comme je t'ai dit, moi, je mets du marqueur. Voilà. Pour en fait savoir jusqu'où ma courroie elle va monter. S'il te reste 2 cm et que tu as tapé des pointes, bon ben peut-être que tu peux aller gratter un peu plus loin. Donc voilà, ça va me donner un indice en fait, et je vais pouvoir jouer après avec mes galets pour essayer d'aller utiliser quasiment la totalité de la plage du variateur. Voilà, on va remonter ça. Sens, hein. Tu vois? Dans le bon sens. Donc t'as vu là, je suis venu vraiment prendre le correcteur de couple. Attention, il y a un gros ressort, hein, pour en fait bah, que ça rentre. Voilà, correcteur de couple. On vient le prendre. Voilà. Et on appuie pour faire entrer la courroie.
technique. Bon, faites attention aux ailettes, hein, je le répète, mais. On remonte le carter. On a fait un petit tour, tu vois. Et là, Vario. Donc on se rend compte en fait que la plage, elle n'est pas utilisée dans sa totalité, quoi. Donc on va voir pour alourdir un tout petit peu les galets.
peut-être mettre des 8, 8,5, voir ce que ça donne.